Bonjour les Arcadiens. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire découvrir le parcours de course de Dino. Un parcours qui va servir pour des compétitions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez toutes les informations sur mon Discord. Et nous allons découvrir ensemble ce parcours qui sera au fur et à mesure des compétitions, un petit peu transformé, hein. Nous ferons de nouveaux obstacles, des nouvelles choses. Mais bon, en attendant, pour cette première compétition, le parcours a été finalisé. Donc, nous allons le découvrir ensemble. De quoi il en ressort. Allez, hop. Donc, cette première compétition sera à dos de Raptor. Donc, ici sera la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Ça sera une course qui se fera en 3 tours. Et pour donner le départ, nous aurons le droit à un joli feu d'artifice qui donnera le start. Et là, tous les concurrents seront prêts pour partir sur la course. Alors, nous allons passer la première porte. Donc, ce parcours, vous aurez 11 portes à passer. Deuxième porte. Alors, après, vous prenez la direction que vous voulez. Le principal, c'est de passer toutes les portes. Et bien sûr, si vous en loupez une, vous serez automatiquement éliminé. On arrive à la cinquième porte. La sixième porte, le saut de l'ange. Alors, ici, c'est un saut. Si vous tombez, n'ayez crainte. Vous pouvez recommencer. Hop, mais vous perdez un peu de temps forcément. Hop. Hop. Et voilà le saut de l'ange. Donc nous allons arriver à la septième porte. Un petit parcours aquatique. Huitième porte. Et la neuvième porte, elle est un peu spéciale. Car pour la passer, il faudra absolument, voyez, l'écriteau sur ma gauche. Et bah pour la passer, il faut absolument monter sur le rocher et sauter. Sinon, vous ne pourrez pas passer la porte si vous loupez le rocher. On recommence. Hop. La dixième porte. Alors ici, vous voyez des murs en verre, des piliers, et là, il faut arriver à passer. Et à sortir d'ici. Et voilà, on a passé la dixième porte. Pour la onzième et dernière porte, un petit saut d'obstacle. Et voilà, nous arrivons à la ligne d'arrivée. Et donc nous allons recommencer ensemble ce tour. Hop. Donc le choix à vous de prendre le passage que vous voulez. Tout en passant.
les portes. Alors c'est un circuit qui est une compétition qui va être très fun. Hein. Nous attendons bien sûr, hop là, les inscriptions. Alors soyez nombreux à y participer. Ce qui donnera forcément une partie encore plus fun. Donc voilà, c'est pour cette première compétition. L'ensemble du parcours. Et bien sûr, qui changera au fur et à mesure des compétitions. On rajoutera des difficultés en plus ou des obstacles en plus. On verra, mais en tout cas, vous pourrez déjà donner votre avis pour ce premier parcours. Allez, on va prendre à droite, tout à l'heure on a pris à gauche. Hop, 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 hop. Hop. Et là, en fait, là, ici, c'est la zone de spawn 2 d'Islande. Donc, quand vous avez besoin de spawn, et allez nous voir. Nous avons fait aussi ce petit pont qui sert aussi pour la course, qui vous permet d'éviter de nager dans cette eau infestée de piranhas. Et voilà pour cette petite vidéo. Je voulais vous montrer ce parcours pour que vous puissiez apprécier cette nouvelle partie fun qui va s'organiser. Et je vous demanderai bien sûr de venir essayer ce parcours et de donner votre avis là-dessus. Et si vous pensez que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je vous remercie beaucoup les Arcadiens et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!